Le drame s'est noué devant cette boîte de nuit d'Île-Rousse au petit matin. Un homme s'apprête à quitter les lieux situés en bordure de la route territoriale lorsqu'il est visé par des tirs. Atteint par plusieurs projectiles, notamment au thorax, il est grièvement blessé. Les circonstances précises des faits sont encore floues et l'identité de la victime n'est pas confirmée. Mais un nom circule en Balagne depuis le début de la matinée, celui d'une personne connue des services de police et de justice. Le parquet de Bastia a été très vite dessaisi de l'enquête au profit de la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Pour les enquêteurs, le blessé est donc bien lié au grand banditisme insulaire et il privilégie la thèse d'un règlement de compte. La victime a été transférée à l'hôpital de Bastia. Son pronostic vital reste engagé ce soir. Il se trouve en réanimation, protégé par des CRS, positionnés à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.